Salut, partons à la rencontre d'un film. Vous avez 2 minutes pour en retrouver le titre en écoutant une interview imaginaire de son héros. Soyez le plus rapide. C'est parti! Bonjour, merci d'avoir accepté de nous parler de votre parcours et de votre expérience. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes devenu un tueur à gages? Bonjour, c'est une longue histoire mais je vais essayer de la résumer. J'ai commencé à travailler pour la mafia russe quand j'étais jeune. J'étais l'un des meilleurs. J'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fier. Mais j'ai aussi rencontré Hélène, l'amour de ma vie. Un jour, j'ai décidé de quitter ce milieu pour vivre avec elle. J'ai accompli une dernière mission. J'ai cru que je pouvais avoir une vie normale, mais le destin en a décidé autrement. Que s'est-il passé ensuite? Hélène est morte d'une longue maladie. Avant de partir, elle m'a envoyé un chiot pour me tenir compagnie. Mais on est venu chez moi. On a volé ma voiture et tué mon chien. Ils ont réveillé le tueur qui sommeillait en moi. Comment avez-vous réagi? J'ai déclaré la guerre à la mafia russe. J'ai dû affronter des dizaines d'assassins qui voulaient ma tête. Heureusement, j'ai pu compter sur l'aide de quelques alliés, comme Aurelio, le mécanicien qui connaissait l'origine de ma voiture, Winston, le gérant de l'hôtel Continental, un refuge pour les tueurs à gages, et Marcus, un ancien collègue et ami qui m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Et maintenant? Maintenant, je suis plus calme, beaucoup plus calme. Mais je ne voudrais pas vous spoiler. Je préfère mettre fin à cette interview. Le croque-mitaine vous salue. Avez-vous trouvé le nom de ce film dont la 4e partie a clos l'histoire en 2023? Je vous laisse encore quelques instants pour le découvrir. Il fallait donc trouver le film John Wick avec Keanu Reeves. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Retrouvez-nous sur Question Graal sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcasts.